Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et plus précisément sur l'édition Le Seigneur des Anneaux, le Chronique de la Terre du Milieu, donc sur le deck Commander. C'est un deck Commander nourriture et communauté, un deck blanc, noir et vert, et donc je vais l'ouvrir et on va découvrir ensemble son contenu et les cartes, les effets de ce deck. C'est comme d'habitude, hein, c'est-à-dire pour les commandeurs, je fais des ouvertures avec, je monte les effets de chaque carte, et puis le lendemain, vous aurez une petite vidéo d'analyse de stats et de cotation de cette ouverture. Enfin, j'essaie de tirer le produit, voilà. Parce que c'est plutôt pas mal les decks commandeurs, c'est des decks qui sont déjà construits pour pouvoir jouer, donc c'est vrai que pour les joueurs, c'est plutôt intéressant. C'est vrai qu'il y en a des fois, ils sont vraiment vraiment sympas. Alors voilà, vous avez dans la pochette cartonnée, vous avez aussi des petits jetons. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le booster collector, l'échantillon. On a le compteur de points de vie. Donc ça, c'est pas mal du tout. Vous avez aussi un petit fascicule sur le deck qui vous explique comment jouer, qui vous parle du deck. Je vous laisse le découvrir. La boîte pour ranger votre deck. Donc ça, c'est une boîte souvent à l'effigie de l'édition et du deck. Effectivement, parce que voilà, blanc, noir et vert. On a les cartes. La carte cartonnée. Alors ça, avant les commandeurs et... oups. Avant, les cartes commandeurs étaient grand format. Et maintenant, les cartes commandeurs ont une version cartonnée plus rigide, qui est plutôt sympa. Hop. Je vais vous montrer. Et donc cette carte, elle se collectionne aussi, hein, le numéro fait partie de la collection. Là, c'est Frodo Hobbit Audacieux, qui a un coût de 2 mana, dont un blanc et un noir, là, 1 d'attaque, 3 de vie, et partenariat avec Sam, serviteur loyal, vigilant, c'est là. À chaque fois que Frodo Hobbit Audacieux attaque, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, l'anneau vous tente. Puis si Frodo est porteur de l'anneau et que l'anneau vous a tenté au moins 2 fois pendant cette partie, piochez une carte. Voilà, plus rigide, elle est plus sympa. On a aussi des jetons. Alors forcément, c'est des jetons en lien, des jetons recto verso qui sont en lien bien sûr avec le deck, un deck donc blanc, noir et vert. Hop, et on a toutes ces cartes. Voilà, il y a de quoi faire. Des fois, les associations sont top et ça donne vraiment envie de jouer avec ces decks commandeurs. Donc, il y a une carte publicitaire que je mets de côté. On a toutes les cartes de ce deck et on a aussi, hop, alors Frodo Hobbit Audacieux et Sam. Serviteur loyal qui a un coût de 3 mana dont un vert et un blanc. Elle a 2 d'attaque, 4 de vie et partenaire avec Frodo Hobbit Audacieux. Quand cette créature arrive sur champ de bataille, un joueur ciblé peut mettre Frodo dans sa main depuis sa bibliothèque mais mélangée. Au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton de nourriture. C'est un artefact avec pour 2 mana engagés. Sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Les activités, les capacités activées des nourritures que vous contrôlez coûtent un mana de moins à activer. Alors c'est vrai que voilà, après ça dépend comment vous souhaitez jouer, comment vous aimez jouer, mais ça peut être très intéressant. Ces commandeurs, ils sont, ça peut être important et intéressant. Donc ça va être à vous de voir, tout simplement. Hop, pour pas avoir de trop d'ombre. Allez, le jeton, le booster, pardon, l'échantillon. Dedans, il y a 2 cartes en version foil. Donc ça, on va voir, ça peut être une belle surprise. Alors je vais prendre la dernière. La dernière, hop! Alors, c'est Meriadoc Brandebouc. Hein, extra, peu commune, extra foil. Bon, ok. Et on a aussi, hop! Gandalf le Gris en rare. Par contre, celle-là, c'est pas une carte foil. Mais par contre, voilà ce que je ferai, bien sûr. Je vous ferai une vidéo d'analyse de stats. Dans la vidéo d'analyse de stats, je vous donnerai les cotations de ces 2 cartes, hein, bien évidemment. Alors, c'est parti! On va commencer par les cartes Poil à frire de terrain, coût de 3 mana dont un blanc. Quand elle arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de nourriture, puis crée un jeton 1-1. Blanche alphelin et attachez-lui la Poil à frire de terrain. La créature équipée à chaque fois que vous gagnez des points de vie, cette créature gagne +X/+X jusqu'à la fin du tour, excédant le nombre de points de vie que vous avez gagné. Équipement, coût de 2. L'ancien, coût de 3 mana dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 3 de vie au début de chaque étape de fin. Si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, piochez une carte. Donc on va gagner des points de vie avec ce deck-là. Weir, le plus grand des decks, coûte 5 mana dont un blanc, elle a 5 d'attaque, 5 de vie et vol. Et à chaque fois qu'il attaque, une créature attaquante ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, créez un jeton de créature 3-3 blanche oiseau avec le vol. Et à chaque fois que cette créature attaque, une créature attaquante ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Herbe et ragoût de lapin, coûte 3 mana dont un blanc, alors c'est une saga.
Au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille, et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur sapience sacrifié après 3. Pour 1, au premier tour, ciblez jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus 1 sur elle, créez un jeton de nourriture. Au 2, piochez une 4, créez un jeton de nourriture. Au 3, créez un jeton de créature 1-1, blanche, alphelin, pour chaque nourriture que vous contrôlez. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Gollum Pister, rongé par l'obsession. Alors, c'est une créature légendaire, elle a un attaque, un de vie, furtivité, cette créature ne peut pas être bloquée par les créatures de force supérieure. Ah, c'est intéressant, ça. Elle coûte 2 mana, dont un noir, hein, pardon. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire qui a subi des blessures de combat pendant cette partie d'une créature appelée Gollum, Pister, rongé par l'obsession, perd un nombre de points de vie égal au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Oh, intéressant. Oui, je comprends qu'elle soit complémentaire avec les cartes blanches. Lobelia, défenseuse de cul-de-sac ou de 3 mana dans un noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Quand elle arrive sur le champ de bataille, regardez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire et exilez ses 4 faces cachées. Engagez, sacrifiez un artefact, choisissez. Soit jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer une carte exilée par Lobelia sans payer son coût de mana, soit chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Invité insatiable, coût de 3 mana dont 1 noir, à 2 d'attaque, 2 de vie et menace. A chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton nourriture. A chaque fois que vous sacrifiez une nourriture, mettez un marqueur +1/+1 sur l'invité insatiable. Quand l'invité insatiable quitte le champ de bataille, notre adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égal à sa force. Réunir le conseil des hantes. Coût de 4 mana dont 1 vert, les créatures que vous contrôlez ont la portée, donc elles peuvent bloquer les créatures avec vol, ça c'est intéressant. Sacrifier, réunir le conseil des hantes, créer, engager 3 jetons de créatures XX vertes, Sylvain, X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci, mettez un marqueur porté sur chacun d'eux. Hobbit festoyant, coût de 2 mana dont 1 vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et dévorement de nourriture pour 3 au moment où cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de nourriture. Cette créature arrive sur le champ de bataille avec 3 fois ce nombre de marqueurs +1/+1 sur elle. Les créatures dont la force inférieure à celle du Hobbit festoyant ne peuvent pas la bloquer. Poney motivé, coût de 5 mana dont 1 vert, la 3 d'attaque, 3 de vie, piétinement et célérité. À chaque fois que le poney motivé attaque, les créatures attaquantes gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Si une nourriture est arrivée sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, dégagez ces créatures, elles gagnent +2/+2 supplémentaires jusqu'à la fin du tour. Pas mal, hein. Cochon de compétition, coût de 2 mana dont 1 vert, la 0 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez autant de marqueurs rubans sur le cochon de compétition. Ensuite, il a au moins 3 marqueurs rubans sur le cochon de compétition. Retirez ces marqueurs et dégagez-le. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Convive du banquet, coût de X mana dans un vert et un blanc. 0 d'attaque, 0 de vie. Affinité pour la nourriture, ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque nourriture que vous contrôlez. Alors cette carte a piétinement, les convives du banquet arrivent sur le champ de bataille avec 2 fois X marqueur +1/+1 sur eux et pour 2 mana. Sacrifier une nourriture, les convives du banquet acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Bilbo, célébrant de l'anniversaire, coût de 3 mana dont un blanc, un noir, un vert. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie +1 à la place. Et pour 5 mana, dont un blanc, un noir, un vert engagé, exilez Bilbo, célébrant de l'anniversaire. Cherchez dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de créatures, mettez-les sur le champ de bataille, puis mélangez, n'activez que si vous avez au moins 111 points de vie. Oula, 111 points de vie, ah oui, c'est marrant ça. Fermier Choumin, coût de X mana, dont un vert et un blanc, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, créez X jetons de créatures, 1 blanche, alphelin et X jetons nourriture. Ce sont des artefacts avec pour 2 mana engagés, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Et énormément de combinaisons pour gagner des points de vie. Mary garde 10 hangars, coût de 3 mana, dont un vert et un blanc. Elle a 1 d'attaque, 4 de vie. Partenariat avec Pipin, garde 10 hangars. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé peut mettre Pipin dans sa main depuis sa bibliothèque, puis mélanger. A chaque fois qu'au moins un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, crée un jeton de créature 1 blanche soldat avec le lien de vie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Pipin garde 10 hangars, coût de 2 mana, dont un noir et un vert. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Et partenariat avec Mary garde 10 hangars. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé peut mettre Mary dans sa main depuis sa bibliothèque puis mélanger. Pour 1 mana engagé, crée un jeton nourriture. Et pour engager ensuite, sacrifier 4 nourritures. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +3/+3 avec à la célérité jusqu'à la fin du tour, n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Sylve Veubard, haute affable, coût de 4 mana dont un vert et un blanc, elle a 0 d'attaque, 5 de vie, rafale piétinement et parade pour 2. Et quand Sylve Veubard, haute affable, arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons nourriture. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur un alphelin ou un sylvain ciblé. On gagne souvent des points de vie, hein, donc ça c'est intéressant. Corde de vie de Hitlane, coût de 2 mana. Alors la corde de Hitlane ne peut pas être sacrifiée pour un mana engagé. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez, le joueur à votre droite acquiert le contrôle de la corde de Hitlane. Pour 2 mana engagés, piochez une carte, le joueur à votre droite acquiert le contrôle de la corde de Hitlane. Appel à l'unité, coût de 5 mana dont 2 blancs.
Alors, révolte, au début de votre étape de fin, si un permanent que vous contrôlez à colon, vous contrôliez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, mettez un marqueur unité sur l'appel à l'unité. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 pour chaque marqueur unité sur l'appel à l'unité. Pas mal, ça. Aube de l'espoir, coût de 2 mana dans la blanc, c'est un enchantement. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, piochez une carte pour 4 mana engagés, créer un jeton de créature 1, blanche soldat avec le lien de vie. Il y a quand même beaucoup de jetons dans ce deck qu'on peut créer. Crépuscule, coût de 4 mana, dont 2 blancs, c'est un rituel d'étriser toutes les créatures de force supérieure ou égale à 3. Ou aube. Répercussion, ne lancez ce soir que depuis votre cimetière, exilez-le ensuite. Renvoyez toutes les cartes de force, de créatures de force inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière dans votre main. Anéantir les puissants, coût de 5 mana dont un blanc, détruisez toutes les créatures de force supérieure à la force d'une créature ciblée. Fumigation, coût de 5 mana dont 2 blancs, détruisez toutes les créatures, vous gagnez un point de vie pour chaque créature détruite de cette manière. Ah oui, il y a quand même des sorts qui permettent de tout annihiler, c'est quand même intéressant. Mentor des humbles, coût de 3 mana dont 1 blanc, la 2 d'attaque de 2 vie. À chaque fois qu'une autre créature que vous, avec une force inférieure égale à 2 arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez payer 1 si vous faites ainsi piocher une carte. Lien sanguin, coût de 5 mana dont 2 noirs. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Oh, ça c'est pas mal ça. Déluge toxique, coût de 3 mana dans l'arbre, surtout qu'on en gagne beaucoup des points de vie. En tant que coût supplémentaire, pour lancer ce sort, payez X points de vie, toutes les créatures gagnent -X jusqu'à la fin du tour. Oiseau de paradis, pour 1 mana vert, elle a 0 d'attaque, 1 de vie et vol, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Wador, coût de 1 mana vert, elle a 0 d'attaque, 2 de vie et vol, et quand elle arrive sur le champ de bataille, crée un jeton nourriture, c'est un artefact avec pour 2 mana engagé, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Et ensuite, pour 2 mana dans un vert engagé, crée un jeton nourriture, engagé, sacrifiez une nourriture, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Primus, chute bois, coût de 8 mana dont 3 verts, elle a 6 d'attaque, 6 de vie et piétinement. Quand le premier chute boîte arrive sur champ de bataille, détruisez un permanent non créature ciblée. Pas mal. Enfin, pas mal, ça dépend. On détruise, j'espère que c'est un adversaire et pas un de ses partenaires. Persistance, quand cette créature meurt, si elle n'avait pas de marqueur -1/-1 sur elle, renvoyez-la sur champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur -1/-1 sur elle. Oh, pas mal. Pas mal. Annulation angoissée, coût de 3 mana, dont un blanc et un noir. C'est un éphémère. Exilez un permanent non terrain ciblé, vous gagnez 3 points de vie. Lanterne chromatique, coût de 3 mana, les terrains que vous contrôlez ont engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok, on continue. Hop, je prends pas toutes les cartes en même temps. Comptoir de commerce pour 4 mana. Alors, pour 1 mana engagé, défaussez-vous d'une carte, vous gagnez 4 points de vie. Pour 1 mana engagé, payez 1 point de vie, créez un jeton de créature 0-1, blanche, chèvre, et pour engager 1 point de vie engagé, sacrifiez une créature, envoyez dans votre main une carte d'artefact cible depuis votre cimetière. Pour 1 mana engagé, sacrifier un artefact, piocher une carte. Bon. Puis des songes perdus pour 4 mana, c'est un artefact. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer X. X étant inférieur ou égal au nombre de points de vie que vous avez gagné. Si vous faites ainsi, piocher X cartes. Oh, intéressant. Ah, les terrains, on va les passer, je les verrai à la fin. Il y en a beaucoup là qui suivent. Voilà. Alors, Aigle du Nord, coût de 6 mana, dont 1 blanc. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie et vol. Et quand les aigles du Nord arrivent sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et acquièrent l'initiative jusqu'à la fin du tour. Recyclage de plaine pour 1 mana. Défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Landroval, témoin de l'horizon, coût de 5 mana dont 1 blanc, à 3 d'attaque, 4 de vie et vol. Et à chaque fois qu'au moins 2 créatures que vous contrôlez attaquent un joueur, une créature attaquante sans le vol, ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Rosie, chemine de l'allée du Sud, coût de 3 mana dont 1 blanc, elle a 1 d'attaque. 1 de vie, et quand elle arrive sur le champ de bataille, crée un jeton nourriture. C'est un artefact avec pour 2 mana engagés, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. A chaque fois que vous créez un jeton, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, autre que Rosie. Il va falloir les combinaisons de sacrification pour marquer, mettre des marqueurs en fonction des points de vie gagnés. Ça peut être très intéressant entre les cartes. Shérif de la Comté, coût de 2 mana dont 1 blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et vigilance. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier un jeton. Quand vous faites ainsi, exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le Shérif de la Comté quitte le champ de bataille. Chauve-souris de la forêt noire, coût de 4 mana, dont 1 noir, à la 2 d'attaque, 3 de vie et vol. Et à chaque fois que vous créez ou sacrifiez un jeton, chaque adversaire perd un point de vie. Oh, oh, alors ça c'est puissant aussi. Ante généreux, coût de 6 mana, dont 1 vert, à la 5 d'attaque, 7 de vie et portée. Donc elle peut bloquer les créatures avec vol. Quand l'ante généreux arrive sur le champ de bataille, crée un jeton nourriture. C'est un artefact avec pour 2 mana engagés, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Ensuite, recyclage de forêt pour 1 mana, défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Chemin vers l'exil pour 1 mana, exilez une créature, 1 mana blanc, exilez une créature ciblée, son contrôleur peut aller chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Retour au pays pour 1 mana blanc, exilez une créature ciblée, son contrôleur perd un nombre de points de vie égal à sa force. Alors, il y a encore des cartes d'effet.
avec ravivement de la comté, coup de 2 mana dont un vert rituel. Renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main, crache ton nourriture, c'est un artefact avec pour 2 mana engagé, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Poire de beurrée, aubergiste de brique, coup de 4 mana dans un vert et un blanc, à 3 d'attaque, 3 de vie. Au début de votre étape de fin, si vous ne contrôlez pas de nourriture, crache ton nourriture, c'est pas mal. C'est un artefact, donc avec pour 2 mana engagé, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Donc faites gagner des points de vie pour en faire perdre à l'adversaire et pour avoir des plus 1 sur des cartes, c'est pas mal. Incursion dans la crypte coûte 3 mana dans un noir, éphémère. Exilez toutes les cartes de créatures du cimetière d'un joueur ciblé, vous gagnez 3 points de vie pour chaque carte exilée de cette manière. Droit à la gorge coûte 2 mana dans un noir, détruisez une créature dans un artefact ciblé. Chuchotement nocturne pour 2 mana dont un noir, vous piochez 2 cartes et vous gagnez 2, vous perdez 2 points de vie, attention. Culture pour 3 mana dans un vert. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base révélées. Ces cartes, mettez-en une sur champ de bataille engagé et l'autre dans votre main puis mélangez. Garde d'essence, coût de 1 mana vert. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur champ de bataille, vous gagnez 1 point de vie. Et cette carte a 1 d'attaque, 1 de vie. Cherche au loin pour 2 mana dans un vert. C'est un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine, d'île, de marais ou de montagne. Mettez-la sur champ de bataille engagé puis mélangez. Vigile, grand chêne, coût de 6 mana dans un vert. À la 4 d'attaque, 5 de vie. Flash et portée, donc elle bloque les créatures avec le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, créature qu'un joueur ciblé contrôle gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour, dégagez-les. Harmonisation pour 4 mana dont 2 verts, piochez 3 cartes. Enjambeur du verger pour 6 mana dont 2 verts, à la 6 d'attaque, 4 de vie, quand il arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons nourriture, donc ce sont des artefacts avec pour 2 mana engagés, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Et recyclage de terrain de base pour 2 mana dont 1 vert, défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Aubergiste prospère pour 2 mana dont un vert, 1 d'attaque, 1 de vie. Quand il arrive sur champ de bataille, crée un jeton trésor. C'est un artefact avec engagé, sacrifié cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. A chaque fois qu'une autre créature arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez 1 point de vie. Alors les terrains, allez, on va remettre les autres. Je pense qu'on enchaîne avec les terrains. Avec broussaille, engagé, ajoutez 1 à votre réserve, ou engagé, ajoutez un mana blanc ou vert. La broussaille vous inflige une blessure, attention. Vue de la canopée, engagé, ajoutez un mana vert ou blanc. Et elle arrive sur champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Verger exotique. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Village fortifié. Au moment où il arrive sur champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de forêt ou de plaine de votre main. Si vous ne le faites pas, le village fortifié arrive sur champ de bataille engagé. Engagez, ajoutez un mana vert ou blanc. Chapelle isolée. Elle arrive sur champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une plaine ou un marais. Engagez, ajoutez un mana blanc ou noir. Alors, bosquet bruissant, engagé, ajoutez un mana vert. Au moment où il arrive sur champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de Sylvain de votre main. Si vous ne le faites pas, le bosquet bruissant arrive sur champ de bataille engagé. Engagé, ajoutez un mana blanc ou noir. Et le bosquet bruissant vous inflige une blessure. Attention. La scie, nécro, fleur. Quand il arrive sur champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de marée ou de forêt de votre main. Si vous ne le faites pas, la scie, nécro, fleur arrive sur champ de bataille engagé. Ensuite, engagé, ajoutez un mana noir ou vert. Bosquet épars, engagé, ajoute un mana vert ou blanc, et il arrive sur le champ de bataille engagé, recyclage pour 2 mana, défoussez-vous de cette carte, piochez une carte. La scie luminombre, il arrive sur le champ de bataille, au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de plaine ou de marée de votre main, si vous ne le faites pas, il arrive sur le champ de bataille engagé. Et ensuite, engagé, ajoutez un mana blanc ou noir. Bosquet de sol pétale, il arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une forêt ou une plaine, engagé, ajoutez un mana vert ou blanc. Cimetière des sylves. Arrive sur champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez un marais ou une forêt. Ensuite, engagé, ajoutez un manoir ouvert. Terrasse de la comté, engagé, ajoutez un à votre réserve. Et pour un mana, engagé, sacrifiez la terrasse de la comté. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur champ de bataille engagé, puis mélangez. Ah, il y a encore des cartes avec effet. Oh, pardon, j'ai enchaîné les terrains, mais je suis allé trop vite. Trop vite. Ah, autant pour moi. Approvisionneuse, infatigable, coup de 3 mana, dont un verre. La 3 d'attaque de 2 vies touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, crée un jeton nourriture ou un jeton trésor. Nourriture est un artefact avec pour 2 mana engagé, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Trésor est un jeton avec engagé, sacrifiez cet artefact, vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Mortification, coût de 3 mana dont un blanc et un noir, détruisez une cible, créature ou enchantement. Chasseuse éclairée pour 3 mana dont un noir et un vert, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, à chaque fois qu'elle attaque ou bloque, crache ton nourriture. C'est un artefact pour 2 mana engagé, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Sacrifiez de nourriture, piochez une carte. Cachet d'ésotérisme, coût de 2 mana, c'est un artefact engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Sphère du commandant, coût de 3 mana engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant, sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Talisman immaculé pour 3 mana, engagé, ajoutez à votre réserve, vous gagnez 1 point de vie. Anneau solaire pour 1 mana engagé, ajoutez 2 à votre réserve. Tunnel d'accès en terrain, engagé, ajoutez 1 à votre réserve. Pour 3 mana engagé, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Landre cendreuse, engagé, ajoutez 1 à votre réserve. Recyclage de terrain de base pour 1 mana. Défoussez-vous cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez.
tour de commandement. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant. Étendue sauvage en évolution. Engagez, sacrifiez les étendues sauvages en évolution. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur champ de bataille. Engagez, puis mélangez. Quartier fantôme. Engagez, ajoutez un à votre réserve. Et ensuite, engagez, sacrifiez le quartier fantôme. Détruisez un terrain ciblé. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. La mettre sur champ de bataille, puis mélanger. Refuse de Grispo. Il arrive sur champ de bataille engagé. Et quand il arrive sur champ de bataille, on gagne un point de vie. Pas mal. Ensuite, engagé, ajoutez un mana vert ou blanc. Voix de l'ascendance. Elle arrive sur champ de bataille engagé. Engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix et de l'identité couleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Passage des malandrins. Engagé, ajoutez à votre réserve. Pour 4 mana engagés, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Citadelle de la steppe de sable. Elle arrive sur champ de bataille engagé. Engagé, ensuite, ajoutez un mana blanc, noir ou vert. Landes érodées, elles arrivent sur champ de bataille engagé. Quand elles arrivent sur champ de bataille, vous gagnez un point de vie. Ensuite, engagé, ajoutez un mana blanc ou noir. Et ensuite, on a forcément des plaines, marais et forêts, puisque c'est un deck blanc, noir et vert. Donc les amis, c'était la présentation du deck commandeur nourriture et communauté, un deck blanc, noir et vert de l'édition Le Seigneur des Anneaux, chronique de la Terre du Milieu. Voilà les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.